envoyé, la même femelle, puisque après le croisement, on a enlevé la femelle de la cage du verra pour qu'ils ne deviennent pas amis, quoi. Si votre femelle, si le verra croise votre femelle et que vous laissez encore la femelle là-bas, ils vont devenir amis. Ils vont commencer à se bisouiller toute la journée et le verra va plus rien faire. Donc, ça, c'est un deuxième croisement du présévrage. Donc, c'est ce que vous voyez là, c'est un verra duroc. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle le duroc, voilà un duroc, un porc roux. Donc, avec double croisement, vous êtes capable d'avoir jusqu'à peut-être 12-15 porcelets. Ça dépend de la race et du type de femelle et de verra, quoi. Voilà. Après ça, maintenant, on va les laisser ensemble. Ils vont passer la journée ensemble. Ils vont passer la journée ensemble. Puisque s'il y a double croisement, ils vont passer la journée ensemble. Et d'ici le lendemain, on va les séparer encore. On va noter la date du croisement et attendre le jour de la mise de bas tranquillement.